Voilà, donc je ne peux pas trop donner le prix, peut-être les 13 que la personne veut, c'est quelque chose de moins cher. En tout cas, la personne appelle, il envoie le modèle qu'il veut. À travers ton modèle, on te donne ton prix. Salut la famille, je m'appelle Elka Beya, tu es une femme, tu habites ici, même si tu es un garçon, tu habites ici à Texas, à Dallas, tu as un problème pour tresser les cheveux. Je vous apporte une solution aujourd'hui, vous allez découvrir là où tu dois faire tes cheveux. Tu vois souvent les femmes qui ont les cheveux ici, les cheveux commencent ici, les cheveux commencent ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils partent chez les personnes qui ne savent pas faire les cheveux. Et je vais vous présenter un salon de coiffure aujourd'hui. Si tu as besoin de tresser tes cheveux, on va partir. Je vais vous montrer là où tu dois partir tresser tes cheveux dans un salon de coiffure ici à Dallas. Allons-y. Manito hair braiding. Oh. Ici, c'est difficile pour avoir quelqu'un qui sait vraiment faire les cheveux. Et beaucoup de femmes ici, aux États-Unis, quand ils viennent ici, c'est difficile pour avoir quelqu'un qui sait tresser les cheveux. Et moi-même, ma fiancée avait beaucoup de problèmes pour avoir les gens qui savent tresser les cheveux. Et quand tu as quelqu'un qui sait tresser les cheveux, c'est difficile même. Mais là, je peux vous montrer, c'est vraiment bien parce que si tu veux faire vraiment tes cheveux, tu pars là-bas. Oh là là. Ce n'est pas vraiment beaucoup de complications, mettre l'appareil, faire les appointments. Non. Tu appelles seulement, tu parles avec la personne, elle parle même français, elle parle anglais, elle parle même toutes les langues même du monde tu veux. Vous allez faire un jour là, tu pars là-bas, tu fais tes cheveux, vraiment c'est très pratique même. Donc on va bientôt arriver là-bas et puis on va voir comment ça fonctionne, on va aussi causer avec elle. Okay. Mais, yeah. This place looking good. We are in Dallas. Yes. Il y a les voitures en haut, les voitures en bas. Oh. Looking good. On part là-bas maintenant voir notre salon de coiffure pour voir qu'est-ce que c'est. Comment les gens parlent là-bas pour coiffer les cheveux. Donc c'est ça. Nous sommes en route. Nous partons là-bas. Ce n'est pas loin, sauf que nous, on essaie un peu de prendre d'autres chemins pour vous faire aussi visiter les États-Unis. Le jour que tu vas venir aux États-Unis, ça sera comme ça. Tu peux toujours venir. Ah, moi, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de compte en banque, je n'ai pas de passeport. Beaucoup de gens n'avaient même pas du travail, mais ils sont ici par la grâce de Dieu. Un jour, tu seras ici. De la même façon que tu regardes mes vidéos, un jour, tu vas venir ici, tu vas dire... Oh, je me rappelle encore quand je regardais tes vidéos, j'avais encore rien, mais Dieu a fait grâce, je suis ici aux États-Unis. Tu vas venir et tu vas tout voir ça. C'est beau, tu peux voyager aux États-Unis à travers mes vidéos. Regarde comme c'est beau, c'est joli, non? Tu n'as pas aimé? Regarde comment c'est beau. Ici, c'est propre. Ici, même, il n'y a même pas les gens qui jettent même les saletés sur la route. C'est rare même. Donc c'est propre, c'est bien organisé, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de saletés à la route comme chez nous en Afrique là-bas. Oui, qui va dire que l'Afrique n'y a pas les saletés, on se connaît, mais ce n'est pas aussi faute à nous, c'est la faute aux dirigeants aussi qui conduisent les pays. Ah, c'est joli, hein? J'ai négligé la ville de Dallas les dents, je voyais ça tout petit. Bon, je ne sais pas parce que c'était vers 2015 que je regardais ça. Il n'y avait pas encore beaucoup d'immeubles, mais je pense qu'ils ont construit des immeubles. Parce que quand je regardais ça en 2015, 2014, en 2013-2014, il n'y avait pas beaucoup d'immeubles comme ça. Il y en avait peu, il y avait seulement l'autre là qui est là-bas derrière, là que je connais depuis longtemps. Il n'y avait pas Digital Reality. Regarde, oh, il y a même le métro. Ouais, oh, c'est beau, hein. Il y a même le métro ici. Ici, quand tu ne sais pas conduire, tu viens ici, tu as la difficulté pour conduire. Parce qu'ici, il y a les routes qui sont en bas, les routes qui sont en haut. Tu peux même faire même 3 jours ici, tu fais que tourner là, dans une même place. C'est difficile. Regarde même ici. 1, 2, 3. La route, elle est partie. Si tu prends seulement la route là, tu pars jusque là-bas, tu peux même te perdre là-bas. Et il y a encore les voitures qui sortent là-bas.
il y a encore celui qui est là-bas en dessous de ça, il y a encore. Et là-bas aussi en bas, il y a encore des voitures. Et là-bas aussi, il y a encore les ponts. Dis-moi maintenant, tu vas faire comment? Si tu perds ces mains ici, c'est fini pour toi. Il faut avoir la maîtrise, il faut savoir, et ça prend du temps, c'est pas aujourd'hui maintenant que tu vas avoir la maîtrise de conduire. Et il faut faire vraiment l'effort de savoir conduire dès l'Afrique. Oh, la voiture c'est joli, hein. Regarde comment ça roule, c'est joli. Ça paraît comme la voiture de femme. Ici, il y a toujours des belles voitures. Ce n'est pas comme l'Afrique, il y a des voitures. Tu sais même pas si on a fabriqué ça en Chine. Ici, il y a toujours de belles voitures, c'est propre. Tu vois que même si c'est un... Salut la famille, je suis arrivé là où je vous avais dit. Oh, on va aller, il faut prendre la patience, on va aller. Oh, c'est là-bas. Regardez là, on va partir. Manitou Air Branding Salon. Oh, je vais le prononcer. Non, c'est pas un problème, c'est vraiment ici. Manitou Air Branding Salon. C'est pas ça les problèmes, mais le problème c'est d'entrer dedans. On va entrer un peu dedans pour voir comment ça fonctionne un peu. Ok? Ok, je suis arrivé, je vais entrer ici pour voir. Maintenant, je vais causer ici avec la propriétaire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va, excusez-moi de vous filmer. C'est parce qu'on a vraiment entendu parler de ce salon ici. Tout le monde veut venir ici. Moi, comme YouTuber, je suis venu ici pour demander un peu comment ça fonctionne. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait déjà 4 ans, mais 5 ans. D'abord, savoir c'est quoi votre nom? Moi, c'est Régine. Il faut être à l'aise. Hein? Si tu veux même parler même lingala, tu peux parler. Tu veux parler même anglais. Sois à l'aise même. C'est maman Régine? Le nom, c'est maman Régine, non? Maman Régine, on veut un peu savoir, parce que les gens ont... Maintenant, c'est difficile pour tresser les cheveux, parce que les gens disent qu'il faut faire le booking sur Internet, c'est difficile. Les gens disent que c'est difficile, c'est compliqué, il faut parler l'anglais. C'est comment quelqu'un qui a quitté l'Afrique, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Afrique, qui voient la vidéo ici. Quelqu'un vient de l'Afrique, il est ici, il est dans sa maison, il veut maintenant faire les cheveux ou tresser les cheveux. Quels sont les premiers pas que la personne doit faire? Il va partir sur Internet ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Yeah, c'est très facile, il peut aussi aller sur Internet. Ça veut dire ça. Le problème, pourquoi je parle même en français, c'est pour aider ceux qui quittent en Afrique pour venir ici. Donc, tu peux aussi appeler, tu parles en français. Tu peux aussi appeler, tu parles en anglais. On parle aussi l'anglais, mais j'ai fait surtout pour aider nos sœurs qui quittent en Afrique, qui veulent se faire tresser. Donc, vous appelez seulement le numéro qui va s'afficher là-bas. Le numéro aussi que vous voyez ici sur l'écran ici. Vous voyez le numéro sur l'écran ici. Affiché sur l'écran, vous appelez juste ce numéro et puis je vais vous répondre si vous voulez parler en français ou bien vous voulez parler en anglais aussi. Non, si je comprends, c'est facile. Il n'y a pas question d'aller faire beaucoup d'histoires sur Internet. Non, il n'y a pas beaucoup d'histoires. C'est juste tu appelles. Appelez seulement. Et si quelqu'un maintenant ne sait pas parler anglais, ne sait pas parler français, il parle seulement lingala. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent du village, hein, non, par exemple. Non, c'est des gens qui parlent lingala qui travaillent ici. Oh, il y a aussi les gens. La personne vient ici, c'est moi qui parle lingala. Oh, on va voir la personne qui parle lingala. On va trouver la personne qui parle lingala qui va parler. Vraiment. On veut aussi demander aussi... quelqu'un qui vient aussi ici, il n'a pas le cheveu parce qu'il y a aussi les modèles qui... La personne doit acheter les mèches, tout ça. Si la personne ne sait pas où acheter les mèches, comment ça fonctionne même? Non, on vend aussi les mèches ici au salon. Oh. Sauf si la mèche qu'on vend ici, vous n'avez pas ça. Oui. À côté, il y a juste, le Nina Beauty Supply, le magasin qui vend toutes sortes. Donc, si quelqu'un n'a pas les mèches, il va partir à côté ici acheter les mèches. S'il veut aussi acheter aussi avec nous ici. Il peut aussi acheter sur place. Mais chez vous, c'est cher ou c'est moins cher? C'est presque le même prix. Ah, si c'est presque le même prix, c'est bien même ici. Et... Je ne veux pas demander le prix exact parce que la vidéo, si peut-être quelqu'un va voir ça en 2025, peut-être quelqu'un peut voir ça en 2022. Exactement. Nous sommes en 2021. Les prix, ça peut. Maintenant, ici, à décembre 2021, ça coûte plus ou moins combien? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment en les prix. Cas, les prix sont vraiment abordables. Oui. J'aimerais pas trop peut-être donner exactement les prix. Oui. Les prix sont moins chers. On fait les prix aussi pour nos sœurs. Oui, oui. Voilà, donc je ne peux pas trop donner le prix, peut-être les tresses que la personne veut, c'est quelque chose de moins cher. En tout cas, la personne appelle, il envoie le modèle qu'il veut. À travers ton modèle, on te donne ton prix. Et les gens qui disent que les cheveux, ça fait mal quand on tresse les cheveux, ils ont mal à la tête. Ça fait pas mal, ça dépend. Si tu dis, je ne veux pas que ça fait mal, on te fait ce qui ne fait pas mal. Maintenant, si tu veux qu'on serre, on te serre ça. Donc, à part tresser les cheveux, il n'y a pas aussi d'autres services? Si, on lave la tête. Ah, ok. On lave la tête. Ou même quelqu'un vient là. Les tissages. Okay. Les gens qui ont les histoires sur la tête, là, ça fait gratter là même ici. Vous enlevez tout même. Et on fait tout.
On fait la beauté. Oui, j'avais vu sur. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir une partie là de Instagram. Vous allez voir la partie de maquillage aussi. On fait la beauté aussi pour nos sœurs qui veulent aller dans les cérémonies. Comme quelqu'un qui veut partir à la fête du mariage, et il n'a pas le temps, il peut venir aussi ici pour faire le maquillage. On aussi les lâches. Parce que parfois, il y a aussi les habits qu'il faut maintenant que la personne qui sait vraiment maquiller pour maquiller peut découvrir un peu avec l'habit que la personne va porter. Et même maintenant, les gens qui font les mariages ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les fêtes des mariages ici, est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que vous avez aussi cette service-là d'aller maquiller aussi le marié, fête des mariés? Bien sûr, si on nous sollicite, on maquille les mariés. C'est le même numéro là qui est sur l'écran ici. C'est seulement le même numéro que vous appelez. Mais ce n'est pas cher, hein? Non, c'est pas cher, c'est abordable. Donc, vous maquillez le marié à l'église, au fait de marier, tout, il y a vraiment ce service-là. Ok. Vous avez aussi les collaborateurs, sinon, qui travaillent avec vous? Bien sûr, j'ai les gens qui travaillent avec moi. Et maintenant, une question, si quelqu'un qui vient aux États-Unis, oh non, moi, je vais un jour aussi commencer à tresser, apprendre à tresser. Est-ce que vous aidez aussi les gens aussi, ou bien vous enseignez aussi les gens aussi à faire les cheveux? Parce que les cheveux de l'Afrique et d'ici, c'est différent. C'est pas différent, mais c'est un peu, oui, c'est un peu différent. Si quelqu'un quitte de l'Afrique et veut se faire tresser pour appliquer la manière qu'on tresse ici en Amérique, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est vraiment différent de la façon qu'on tresse en Afrique. Bien sûr, c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'on voit les Noirs américains ici, les cheveux, c'est un peu différent avec nous en Afrique. Ok. J'ai aimé. On va faire une petite pause. Vous voyez s'il y a vraiment... vraiment beaucoup de mèches et c'est fini. La fois passée j'étais venu, s'il y avait plein de mèches ici. Excusez madame, bonjour. Bonjour. Lingala, français, portugais? Je parle français, je parle lingala, je parle portugais, je parle anglais. Ah, c'est qui votre nom? Moi, mon nom c'est Lucha, je m'appelle Lucha. Tontine Lucha. Mais j'avais vu la fois passée, il y avait plein de mèches ici. C'est parti où même? Non, c'est les clients, c'est la fête, on a beaucoup de clients ici. On a beaucoup vendu les mèches, oui, c'est pour cela. Mais mois prochain, ou la semaine prochaine, on va déjà mettre le stop. Vous aussi, vous tressez les cheveux? Oui, on tresse. Moi aussi, je tresse les cheveux. Manito Hair Braid. Donc ici, ce n'est pas difficile pour venir tresser les cheveux? Non, ce n'est pas difficile. Surtout pour les Africains, ce n'est pas difficile. Si tu parles portugais. Vous travaillez quel jour à quel jour? Non, on travaille normalement de lundi à samedi, mais dimanche par appointment. Ah, par appointment. Oui. Ah, ici, c'est même si tu n'as pas l'appointment, tu peux seulement venir comme ça, tu viens seulement. Oui, on prend le work et tout. Ah, mais ok. Tu peux aussi venir. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, non? Oui, il y a beaucoup de travailleurs ici. Et les cheveux aussi, vous lavez aussi les cheveux, non? Vous nettoyez aussi. On lave les cheveux, on presse, on fait le corps, on se met, tout. On fait tout ici. Ok, j'ai aimé vraiment votre travail et puis les gens vont voir cette vidéo ici. On vous dit merci. Ok, merci beaucoup. Hello. Hi. What's your name? Nicole. Nicole. Where do you from? I'm from Yes, Arlington. Oh, wow. Mm-hmm. You come here also to do your hair? Yes, I've came here about a year now. This is like my daughter's third time coming here to get her hair done. And every time we come, it's great. Great service, very professional, fast service. So I enjoy coming here. Yeah, okay. What can you tell for another people who come in Africa? What is the message you can send for them? About if someone was coming from Africa to So they're going to have a great experience. Yeah. That the staff is very professional. Everybody is very loving, very open. They're always here to... Very gentle with my daughter. My daughter is very young, so I love their gentle hands. Your daughter also come here? Yes. Oh, it's for anyone? Anyone, any age. Even us boy, we can come also here yes, to do. Yes, I've came several times where I've been. And about the price, the price is expensive or the price is good? Very reasonable prices. Yeah, okay. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Yeah. Tu peux prendre quelques...